Salam alaikum, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle idée recette sucrée, le Khobstounes. Pour cette recette, il vous faudra un bol d'amandes moulues, environ 200 g, 80 g de sucre en poudre, un bol d'œufs battus, environ 6 œufs, le zeste de 2 citrons, un demi-bol de beurre fondu, environ 100 g, un bol de chapelure, un sachet de sucre vanillé et un sachet de levure chimique. Pour le sirop, il vous faudra 500 ml d'eau, 250 g de sucre en poudre et 2 tranches de citron. Et pour la décoration, environ 100 g d'amandes effilées. Nous allons commencer par le sirop. Portez à ébullition l'eau et le sucre. Ajoutez les tranches de citron. Dès ébullition, laissez votre sirop 10 minutes, puis laissez complètement refroidir avant de l'utiliser. Versez vos amandes dans un saladier. Ajoutez la chapelure, le sucre, la levure chimique, le sucre vanillé et les zestes de citron. Ajoutez ensuite le beurre fondu. Remuez. Ramassez votre pâte en ajoutant les œufs progressivement. Versez dans un moule préalablement beurré et fariné. Huilez votre main et aplatissez votre pâte. Ajoutez les amandes effilées par-dessus et enfournez une trentaine de minutes à 180 degrés. Arrosez en deux fois votre gâteau dès sortie du four avec votre sirop froid. Et laissez complètement refroidir avant de le découper. Une fois votre gâteau complètement refroidi, coupez-le en forme de losange. Prenez vos Khobstounes et mettez-les dans des caissettes. Nos Khobstounes sont terminés. On espère que cette idée recette pour les Eids vous a plu. Vous trouverez la recette en description et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.